Moussakoli News avec Nilambungu. Vos informations en temps réel. La bonne information, c'est Moussakoli News. Exceller avec Dieu. Pour bien vraiment marcher avec Dieu, il faut comprendre les choses selon la définition de Dieu. Je me fais comprendre. Amen. Je me fais comprendre. Il faut comprendre les choses selon la définition de Dieu. Il faut faire selon les modèles de Dieu. Amen. Amen. Dieu, je vais donner un exemple. Après Moïse, il lui donne, il lui dit de construire les tabernacles. Moïse n'a jamais construit un tabernacle. Moïse ne savait pas comment peut-on construire un tabernacle. Mais quand Dieu lui donne les modèles, alléluia, amen. Dieu donne tous les détails de mesures, de couleurs, tout ça Dieu lui donne. Mais en dernier mot, il dira ceci, tu feras cela selon les modèles que tu as vu. Alléluia. Amen. Et avant d'étonner tous ces détails, Dieu a appelé Moïse. Dieu a fait voir à Moïse c'est quoi un tabernacle. Alléluia. Amen. Il a fait voir à Moïse les tabernacles. Après, il lui donnera des dimensions, des mesures, tout ça. Après, il lui dira de faire selon ce qu'il a vu. Pas selon ce qu'il a entendu, mais selon ce qu'il a vu. Alléluia. Amen. 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 Dieu ne dit pas fais selon ce que je t'ai dit. Non, il dit selon ce que tu as vu. Parce qu'il y a une différence entre voir et entendre. Amen. Amen. On peut te dire, on peut venir t'informer que la sœur là, j'étais avec elle. Moi, j'étais témoin. Elle parlait mal de toi. Étant ingénieur, elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais avant de te mettre en colère, cherche d'abord à voir. Vous avez compris? Cherche d'abord à voir. Mais quand tu vas chercher à voir et que tu ne trouves pas, c'est que la chose est fausse. Alléluia. Amen. C'est que c'est fausse. Alors, Dieu, il ne peut rien faire s'il n'a pas encore montré. Amen. Amen. C'était par la foi que Dieu a fait voir Moïse les tabernacles. C'est pourquoi il lui dira, il faut faire selon le modèle que tu as vu. Amen. Amen. La définition de la foi selon Dieu, elle est un peu différente par rapport à la définition de la Rousse, par rapport à la définition des scientifiques, par rapport à la définition des intellectuels. C'est un peu différent. Alléluia. Amen. Dans la Rousse, écoute ce que la Rousse définit comme, donne comme définition de la foi. Il dit ceci, la foi est une adhésion total de l'homme à une idée qui les dépasse. Vous me suivez? Suivez-moi très bien. La Rousse. Nous connaissons tous, mais c'est la Rousse. Alléluia. Amen. C'est lui qui connaît les Français très bien. C'est lui qui explique les Français très bien. Alléluia. Amen. Mais c'est la Rousse qui dit ceci. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une adhésion. Alléluia. Amen. Une adhésion totale de l'homme à une idée qui les dépasse, à une croyance religieuse. Je vais donner un exemple. Vous verrez tous, vous me trouvez là dehors. Je vous dis, personne ne peut entrer ici parce qu'il y a des démons dans la salle. Alléluia. Amen. Dans cette salle, il y a des démons. Bien, mais si tu entres, même si tu n'as pas vu les démons, tu vas croire. Alléluia. Amen. Si le pasteur a dit qu'il y a des démons, c'est qu'il y a des démons. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui, il est censé bien connaître. Il est censé savoir. Il a ce qu'il a vu, ce que Dieu l'a montré. C'est qu'il a une capacité supérieure. Alléluia. C'est ça l'adhésion. Vous mettez votre foi, vous mettez votre disposition du cœur sur ce que je vous ai dit. Ça, c'est selon la Rousse. Alléluia. Amen. Même si les mots ne sont pas là. Mais parce que vous avez cru, parce que vous êtes mis d'accord avec moi, vous avez adhéré à ma pensée. Alléluia. Ça, c'est selon la Rousse. Une adhésion. Et plus même littéralement, il explique que la foi, c'est quoi? Il dit la foi. Pardon? C'est un engagement que l'on prend d'être fidèle à une promesse. Pour la Rousse, pour les Français, la foi c'est un engagement qu'on l'on prend à être fidèle. Je donne un exemple dans le mariage par exemple. Alléluia. Quand nous célébrons le mariage, l'homme et la femme prennent l'engagement d'être fidèles l'un envers l'autre.
Alléluia. Amen. Ils appellent ça la foi. Amen. 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 Mais quand Dieu définit la foi, c'est un peu différent de ce que les Français définissent comme la foi. Amen. Amen. Écoutez la définition de Dieu. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. C'est-à-dire une assurance stable, équilibrée. Une assurance qui ne peut jamais se déstabiliser. Une assurance qui ne peut jamais faillir. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a plusieurs assurances. Mais d'autres peuvent faillir, d'autres peuvent se déstabiliser. Mais la foi, elle, c'est une assurance ferme. Alléluia. Amen. Une assurance ferme. Vous comprenez? Dieu ne dit pas que la foi c'est un engagement. Dieu ne dit pas que la foi c'est une adhésion. Non, c'est une assurance ferme. Des choses qu'on espère. Alléluia. Ce n'est pas des choses qu'on m'a dit. Alléluia. Des choses que moi-même je suis censé espérer. Amen. C'est différent de ce que les Français disent. Pour eux, c'est une adhésion. Mais la foi, la Bible dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'aimerais bien que tu mettes ton nom là où c'est écrit « on ». Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance que, c'est une ferme assurance des choses que Michel espère. Alléluia. Amen. Amen. Par là, nous comprenons que la foi, d'abord, c'est une affaire personnelle. Amen. Alléluia. Amen. C'est une affaire personnelle. Les choses que toi tu espères, ce n'est pas les choses que tes parents espèrent. Ce n'est pas les choses que tes enfants espèrent. Si ton enfant espère être un grand footballeur, c'est son problème. C'est sa foi. Mais toi, les parents, tu dois avoir ta foi aussi. Alléluia. Amen. Vous savez, les parents qui se sont trompés, ils ont mis l'espoir dans les enfants. Non, moi, je ne vais plus travailler. Ma retraite sera assurée parce que mon enfant joue très bien au foot. Alléluia. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à lui. Amen. Jésus a bien été confié à un homme sans le savoir. Amen. 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 Et puis tu me dis, j'ai la foi, ça c'est pas la foi. Hein? Ça c'est pas la foi. La vraie foi, c'est ce que toi tu espères toi-même. Toi. Amen. Amen. Ce n'est pas une autre personne, d'abord toi-même. Et Dieu continue en disant que la foi, c'est une démonstration. Alléluia. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comment on peut démontrer quelque chose qu'on ne voit pas? Alléluia. Amen. C'est possible de démontrer quelque chose que tu ne vois pas. Est-ce que c'est possible? Je ne vois pas la voiture, mais je vais démontrer que j'ai la voiture. Je ne vois pas l'argent, mais je démontre que j'ai l'argent. Je ne vois pas le travail, mais je démontre que j'ai le travail. C'est ça la foi. C'est différent avec le français, avec la rose. Alléluia. Amen. 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 Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Vous comprenez? Je ne vois rien, mais je démontre. C'est possible de démontrer quelque chose qu'on ne voit pas. Mais par la foi, c'est possible. Amen. C'est pourquoi, quand Dieu a dit cette ferme assurance d'Abraham, Dieu l'a appelé son ami. Alléluia. C'est-à-dire qu'avec Abraham, il y avait maintenant une relation de âme à l'âme. C'est l'âme de Dieu avec l'âme d'Abraham. Alléluia. Amen. Dieu a trouvé dans cet homme Abraham ses pensées. Il a trouvé dans Abraham. C'est-à-dire tout ce que Dieu voulait, il a trouvé ça Abraham. C'est pourquoi Dieu l'avait justifié. Alléluia. Tandis que Satan qui croit que Dieu existe, Satan qui croit que Dieu est réel, Satan ne partage pas les mêmes pensées que Dieu. Alléluia. Amen. Mais pourtant il a la foi. Par là nous comprenons que nous avons plusieurs types de foi. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons plusieurs types de foi. D'abord, avoir la foi, ce n'est pas le fait de penser positivement. Alléluia. Dieu veut détromper nous. Amen. La foi, ce n'est pas le fait de penser positivement. Ça, tu crois que quand tu vas sortir, tu auras des trains. Tu penses positivement, non?
C'est pas ça qui prouve que tu as la foi. Alléluia. Amen. C'est pas ça ce qui prouve que tu as la foi. La foi, c'est pas le fait d'avoir une bonne volonté. Puis j'ai la volonté d'étonner. Comme ça, je serai. Non, ça, c'est pas la foi. Amen. La foi, ce n'est pas le fait de s'adhérer à une église. Ça aussi, c'est une grosse erreur que nous faisons. Alléluia. Non, parce que dans cette église-là, il y a des miracles. Parce que dans cette église-là, il y a la bénédiction. Tout le monde est béni, tout le monde a la voiture, tout le monde a ça, 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 ça. Je veux aussi m'adhérer à cette église-là. Ça, ce n'est pas la foi. Alléluia. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, ce n'est pas un sentiment. Alléluia. Parce qu'on peut aussi avoir des sentiments amers. Alléluia. Les sentiments peuvent venir le matin, le soir, ils s'en vont. Alléluia. Ils peuvent venir la nuit, le matin, ils s'en vont. Ça, ce n'est pas la foi. Amen. La foi, ce n'est pas un sentiment. La foi, si j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une affiliation à une église. La foi, ce n'est pas le fait de croire que Jésus-Christ est mort pour nous. Non, ce n'est pas ça la foi. Alléluia. Amen. Le fait de croire que Jésus est mort pour moi, ce n'est pas la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça la foi. Mais la foi, c'est quoi alors? La vraie foi. La foi qui étonne Dieu. La foi qui fait plaisir à Dieu. C'est cette foi qui te rend agréable devant Dieu. Vous m'entendez? Amen. 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 La vraie foi, c'est cette foi-là qui te rend agréable à Dieu. C'est-à-dire que de toi-même, quand Dieu te regarde, il te trouve nul. Quand Dieu te regarde, il ne voit rien qui peut l'attirer vers toi. Alléluia. Amen. Mais quand il y a la foi, Dieu voit ta foi. Cette foi-là, bien-aimé, fait que Dieu puisse t'agréer. Alléluia. C'est-à-dire qu'il trouve que Dieu, l'homme ou la femme qu'il faut dans sa présence. Alléluia. Amen. Dieu est cette personne qui mérite la guérison. Dieu est cette personne qui mérite la délivrance. Dieu est cette personne qui mérite la bénédiction. C'est ça la foi. Alléluia. Amen. C'est ça la foi. Nous avons trois types de foi. La première foi, c'est une foi naturelle. Alléluia. Amen. La foi naturelle, tout le monde en a. Même les enfants, tout le monde a la foi naturelle. Alléluia. Amen. Je vais donner un exemple pété à la terre. Un enfant, quand il se réveille le matin, il a la foi qu'il va faire, il aura son petit déjeuner. Alléluia. Amen. Il croit qu'à midi, il va manger. Il croit bien que le soir, il va manger encore. Alléluia. Amen. Pourquoi il croit? Pourquoi il a cette foi? Pourquoi il a la foi? C'est parce qu'il va d'abord ses parents. Alléluia. Amen. 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 Si ses parents ne sont plus en vie, ou bien si il n'a pas ses enfants avec lui, ses parents avec lui, il sera un peu déstabilisé. Mais dès qu'il se réveille le matin, papa et maman sont là. Il est sûr et certain qu'il va manger. Il sera habillé. Il aura tout ce qu'il veut parce que ses parents sont là. La foi est cultivée par quoi? Par la présence des parents. Alléluia. Amen. Il n'a pas cherché la foi là. Il n'a pas cherché ça. C'est naturel. Hein? C'est naturel. On ne peut pas la chercher. On ne peut pas lui donner la foi. Mais elle en a parce qu'elle voit ses parents. Alléluia. Amen. L'enfant n'a pas besoin de connaître les salaires de son père pour se réjouir. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin de savoir si son père travaille ou pas. Ça ne concerne pas. Il a la foi que, comme ils sont là, mes parents, moi, je suis bien. Alléluia. Amen. C'est la foi naturelle. Vous me comprenez? Amen. C'est la foi naturelle. Tout le monde en a, d'une manière ou d'une autre. Amen. C'est la foi que Satan a aussi. Il croit que Dieu existe. Alléluia. Amen. La foi naturelle. Dieu ne peut pas t'empêcher de croire. Amen. Amen. Dieu ne peut pas t'empêcher d'avoir cette foi naturelle. Non, elle est naturelle. C'est inné, on est né avec ça. Amen. Amen. Nous avons aussi la foi que j'appelle la foi spirituelle. Alléluia. La foi spirituelle, elle est communiquée par le Saint-Esprit. Amen. Amen.
nous avons des fois spirituelles. Nous avons la foi comme les dons de Dieu. Hébreux chapitre, chapitre 12, verset 9 jusqu'au verset 13 ou 15. On nous parle des dons spirituels. Amen. Chapitre 12 à partir du verset 9. Le verset 9. La foi comme les dons. Amen. Un don, c'est quoi? Un don, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Un don, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité, mais on te le donne gratuitement. Alléluia. Quand il y a un don, c'est qu'il n'y a pas une condition. Amen. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Amen. Un don exclut toute condition. Un don dépend de celui qui donne. Il ne dépend pas de celui qui reçoit. Non. Les dons dépendent de celui qui donne. Et celui qui donne, donne en fonction de ce que lui-même a mis comme condition. Alléluia. Alors nous avons aussi la foi comme don. C'est-à-dire Dieu donne à chacun de nous la capacité de foi. Une capacité de la foi. Je donne un exemple dans la Bible. Élie. Élie avait les dons de la foi. Alléluia. Pour expérimenter son don, écoute ce qu'Élie a dit. Il se présente devant le roi Akab. Il dit ceci, pendant 3 ans et 6 mois, il n'y aura plus sur la terre une goutte d'eau de la pluie. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole de foi. Il avait le don de la foi. Amen. Il a décrété que le ciel soit fermé pendant 3 ans et 6 mois. Et la chose s'est passée selon ce que Élie avait dit. Amen. Ça, c'est le don de la foi. Il n'a pas cherché à gêner. Il n'a pas fait des sacrifices. Il a seulement parlé et la chose s'est accomplie. Amen. Amen. Nous avons aussi la foi comme étant le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Ce sont des capacités que Dieu met dans une personne. Galates chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 23. Les fruits de l'esprit. Nous avons la foi comme étant aussi les fruits de l'esprit. C'est une capacité que Dieu met dans une personne. Parmi les fruits de l'esprit, nous avons la patience, la maîtrise de soi, l'amour, la joie. Toutes ces choses sont des capacités. Et ça ne vient pas de nous-mêmes. Alléluia. Amen. Être dans la joie de nous-mêmes, ça ne dépend pas de nous. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a plusieurs qui ont cherché aussi à sourire ce matin. Il a fait de tout son bien pour sourire, mais la joie n'était pas là. Alléluia. Amen. 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 J'ai fait un sourire avant de venir ici. Un grand sourire. Un grand sourire, je vous dis, avec tout mon cœur. Ma femme m'a demandé, ça c'est que j'avais sourire. Je lui ai dit, mais je suis avec toi. Alléluia. Elle a pris ça dans une photo. Attends, ça c'est que j'avais. Je lui ai dit, mais je suis avec toi. Tu fais ma joie. Pourquoi tu es étonné? Alléluia. C'est toi qui fais ma joie. Alléluia. Amen. Il faut faire des gens pour sourire. Non, tu fais ma joie. La Bible, celui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Tu as le bonheur auprès de moi. C'est celui qui fait le bonheur. Ça, c'est que j'allais sourire. Alléluia. Amen. La joie, la foi, ça peut être aussi une capacité que Dieu peut mettre dans une personne. Alléluia. Comme la patience, comme la maîtrise des soins, comme l'amour. Ce sont des choses que Dieu donne. Mais dans la personne. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont envie d'aimer, d'avoir l'amour de certaines personnes. Mais comme Dieu n'a pas mis cela, il est possible d'aimer quelqu'un. Alléluia. Amen. Et quand toi tu passes, lui son cœur bouillonne en lui. Regarde comment il marche. Regarde comment il est. Tu lui as rien fait du mal. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme Dieu n'a pas déposé une graine d'amour dans son cœur, il a du mal à t'aimer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'amour vient de Dieu. Amen. 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 La même chose aussi avec la foi. Ça peut être le fruit de l'esprit. La dernière catégorie de la foi, c'est la foi surnaturelle. Alléluia. Amen. Surnaturelle. La foi surnaturelle, elle vient d'où? La Bible dit ceci, Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas de Dieu. Regardez bien, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Christ. Alléluia. Amen.
Christ veut dire oint. Alléluia. Celui qui est rempli d'onction, de la puissance divine. C'est-à-dire la voix sur la terre provient de la parole de celui qui est oint. Alléluia. C'est-à-dire tout le monde peut parler. Les hommes peuvent parler. Mais leur parole ne laisse pas d'effet, ne produit jamais la foi. Alléluia. Si tu as la foi selon la parole prononcée par tes parents, ce n'est pas ça la foi, bien-aimé, qui te rendra agréable devant Dieu. Alléluia. La vraie foi qui peut te rendre agréable devant Dieu, c'est la foi qui provient de la parole de Dieu, de Christ. Alléluia. Quand il est loin, tout ce qui sort de sa bouche est loin aussi. Alléluia. Ça, c'est la vraie foi. C'est la foi surnaturelle. Amen. C'est la foi surnaturelle. Nous avons la foi comme la foi naturelle, la foi spirituelle et la dernière catégorie, c'est la foi surnaturelle. Alléluia. La foi naturelle, j'ai dit, c'est le don de l'esprit et c'est la foi que tout le monde possède, c'est la foi que tout le monde peut exercer, c'est la foi que tout le monde peut mettre dans son cœur. Alléluia. Même les petits enfants, même un fou, tout le monde a la foi naturelle. Alléluia. Mais la foi surnaturelle et la foi spirituelle, ça provient du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. La foi. Alors, mais écoutez bien. Paul nous dit, Jacques nous dit que Abraham fut justifié par sa foi. Alléluia. Justifié par la foi. Quel est ce niveau de la foi que Dieu peut justifier quelqu'un? Alléluia. Pour que la foi soit justifiée par Dieu, pour que la personne soit justifiée par Dieu, ce n'est pas le fait de croire que j'ai la foi, de dire que j'ai la foi. Ce n'est pas par des déclarations. Alléluia. Ce n'est pas par des déclarations. Ce n'est pas par des simples paroles. Ce n'est pas le fait de croire à une prédication, par exemple. De croire peut-être à certaines proclamations, à certaines déclarations. Alléluia. Si tu crois qu'il va s'accomplir, ce n'est pas cela qui va apporter la guérison, qui va apporter la délivrance. Il faut que la foi d'abord convienne de la parole de Dieu. Alléluia. De la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, rien de ce qui existe n'existe sans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Rien de ce qui existe, c'est-à-dire quand tu lèves le ciel vers le ciel, tu lèves sur la terre, sous la terre, tout ce que tu vois là, existe par la parole de Dieu. C'est la parole qui a tout créé. Amen. Amen. C'est-à-dire la vraie foi provient de la parole qui a tout créé, de la parole créatrice. Si ta foi provient de la parole de tes parents, de la parole de ta femme, de la parole de ton mari, de la parole de tes enfants, non, mon enfant m'a dit qu'il fera de tout son bien pour qu'il soit un bon joueur, un bon comptable, qu'il soit bien-aimé. C'est la parole d'un homme. Alléluia. Amen. C'est la parole d'un homme. La vraie foi qui nous rend agréable devant Dieu, c'est la foi qui provient de la parole du Christ, la parole créatrice. La parole qui a amené à l'existence des choses qui n'existaient pas. C'est pourquoi quand Jésus parlait, alléluia, quand Jésus parlait, tout ce qui faisait sortir de sa bouche produisait la vie, produisait les changements, produisait la délivrance. Parce qu'en lui, il y avait la parole créatrice. Alléluia. C'est pourquoi Jésus avait la capacité de parler à un aveugle et l'aveugle de trouver la vie. Parce que dans la parole de Jésus, il y avait le ciel. Alléluia. Dans sa parole, il y avait le ciel. Quand il a parlé, l'aveugle a écouté. Mais le ciel a quitté là où il était. Il est venu s'implanter là où il n'était pas. Alléluia. Quand Jésus a parlé sur cette personne qui était malade, parce qu'il y avait un dysfonctionnement dans le corps. Oh, la parole de Dieu, c'est elle qui a tout créé, l'organisme, le corps entier, provient de la parole de Dieu. Quand cette parole sort, elle amène un changement, elle amène
une délivrance. Elle amène la paix. Elle amène la joie. Elle amène la solution. Le problème, c'est la parole qui a tout créé. Alléluia. Par là, je comprends que si tu n'as pas la parole, si tu ne connais pas la parole, si tu ne veux pas de la parole, il est difficile de posséder la foi qui te rendra agréable devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est ce n'est pas que Dieu n'écoute pas. Le problème, ce n'est pas que Dieu n'entend pas. Ce n'est pas que Dieu est sourd, mais Dieu est aveugle. Ce n'est pas que dans cette église, la main de Dieu n'est pas manifeste. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le problème est que nous n'avons pas la foi qui nous rend agréable devant Dieu. Amen. Alléluia. Notre foi peut être basée sur des déclarations des hommes. Ça peut être ton pasteur qui t'estimule. Tu verras, la gloire de Dieu déclare, dis ceci. Oui, tu peux déclarer matin, midi, soir. Mais si Dieu ne trouve pas, il ne trouve pas agréable devant de lui, rien ne se fera. Alléluia. Rien ne se fera. Vous allez comprendre que les disciples de Jésus, quand ils étaient avec Jésus, à un certain moment, on leur amenait un enfant qui était malade. Jésus dit, bon, ok, vous allez prier pour cet enfant. La Bible dit que les disciples ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. Mais l'enfant n'était pas guéri. Alléluia. Amen. Quand Jésus est venu, il a prié, l'enfant était guéri. Les disciples étaient étonnés. Ils ont demandé, mais pourquoi nous, on était incapables de guérir? Jésus leur dit, c'est à cause de votre foi. À cause de manque de foi. Alléluia, vous êtes incrédules. Vous n'avez pas la foi. Parmi ces disciples, il y avait Pierre dedans. Il y avait Jean aussi. Alléluia. Mais après la Pentecôte, alléluia, Pierre s'est retrouvé avec Jean devant le temple. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était malade, qui était paralytique. Ce n'était pas sa première fois d'être là. Il venait tous les jours se mettre là. Non pour avoir de la guérison. Lui n'avait pas besoin d'une guérison, cet homme-là. Son problème, c'était quoi? L'argent. Alléluia. Amen. Son problème, c'était quoi? L'argent. Vous comprenez? Dans l'église, il y a ces gens qui viennent. Son problème, ce n'est pas le miracle. Son problème, ce n'est pas la guérison ou bien quoi. Mais son problème, c'est l'argent. L'autre, il vient. Son problème, c'est quoi? Ce n'est pas le salut. Non. Son problème, c'est le mariage. L'autre, il vient. Son problème, ce n'est pas le mariage. C'est pas, c'est la, chacun a son problème qui est propre à lui. Alléluia. Amen. Quand Pierre et Jean se sont présentés devant cet homme, ils se sont rappelés d'une chose. Alléluia. Amen. Avant que Jésus puisse quitter ce monde, Matthieu chapitre 28, il leur avait dit ceci. Alléluia. Amen. Allez, faites de toutes nations des disciples. Alléluia. Puis le roi, il va leur dire, vous marcherez sur le serpent et le scorpion. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Alléluia. Quand ils sont arrivés, écoute ce qu'ils ont dit, Pierre et Jean. Ils n'ont pas dit, nous prions au nom de Jésus, lève-toi. Ils ont fait de l'homme. Non, non. Non. Alléluia. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont seulement compris que hier, on avait une foi. La foi là, c'était quoi? Parce que Jésus est avec nous. Alléluia. Comme j'ai donné l'exemple des enfants, quand les parents sont là, les enfants sont stables. Ils sont calmes, ils savent bien que, qu'ils viennent ou pas, les parents sont là. Alléluia. Adieu ou pas, les parents sont là. C'est chérisse ou pas, les parents sont là. C'est ce que Pierre et Jean ont vécu. Quand Jésus était là, ils étaient assis. Alléluia. Mais Jésus est parti. Il a laissé la parole. Ils ont pris seulement la parole là qu'ils avaient écoutée. Alléluia. Amen. Écoutez leur prière. Nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, nous te donnons. Qu'est-ce qu'ils avaient? Non! Ils n'avaient pas la foi. Ils avaient la parole. Alléluia. Amen. Ils avaient la parole de Matthieu 28. À mon nom, vous imposerez les malades et les malades seront guéris. À mon nom, vous marcherez sur les serpents et les scorpions. À mon nom, aucune puissance du mal ne peut vous nuire. Alléluia. Amen. Ce que nous avons, c'est cette parole-là. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de quand tu as la foi sur la parole, la foi est nulle, la foi est vaine. Quand la foi est précédée de la parole bien-aimée, c'est la parole qui va prendre le miracle, qui va prendre la guérison, qui va prendre la solution là où elle est et l'amener à l'existence. C'est la parole. Ils ont dit nous n'avons ni or
Alléluia. Je me trouve quelque part. Je suis porteur du message de mon pays, par exemple. Je suis l'ambassadeur. Amen. Quand j'arrive ici et que je suis reçu par le président français, je ne parle pas à mon nom. Je parle au nom de mon président. Je parle au nom de mon gouvernement. Je vous salue au nom de mon gouvernement. Alléluia. Ça veut dire que tout ce que le gouvernement considère, tout ce qu'il a comme considération sur vous, c'est manifeste dans cette parole que j'ai dit au nom de mon gouvernement. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'étaler. Vous déjà, vous savez ce que votre gouvernement passe pour vous. Alléluia. Vous savez pourquoi mon gouvernement m'a envoyé pour vous. Alléluia. Alors je ne peux pas étaler pendant que votre président m'a envoyé. Il a dit ceci. Non, non, non. Au nom de mon gouvernement, je vais vous féliciter. Alléluia. Ça veut dire, on va maintenant tous les peuples congolais féliciter les présidents français. Alléluia. Amen. 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 C'est ce que Pierre a dit. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je l'ai au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pierre a libéré la parole créatrice. Mais il faut que cette parole maintenant trouve quoi? La foi. Alléluia. Amen. Il faut que la parole trouve la foi. Il faut que cette parole soit accueillie par Dieu pour que la parole et la foi se rencontrent afin que le miracle puisse se produire. Alléluia. Amen. Voilà maintenant que l'homme commence à devoir expérimenter maintenant sa foi. Il était assis. Il était conscient que ses deux jambes étaient totalement affaiblies. Inactes. Alléluia. Amen. Mais quand on l'a dit, au nom de Jésus, mettez-vous et marche, l'homme n'a pas considéré son état initial. Il n'a pas considéré ses jambes qui étaient affaiblies et inactes. Il n'a pas dit que non, Dieu, c'est possible. Mes jambes sont déjà affaiblies. J'ai un peu de marcher. Non, il n'a pas dit ça. Il a complètement oublié ce qu'il était. Complètement oublié. Alléluia. Amen. Et quand il s'est mis debout, pour lui, je suis en bon état. Pour lui, je suis apte. Pour moi, je peux marcher. Et puis, il a commencé à marcher. C'est ça la foi. Alléluia. Il a mis sa foi. Et cette foi est venue à partir de la parole. La parole que Dieu a dit, ce n'était pas la parole de Pierre, mais c'était la parole de Jésus. Alléluia. Amen. C'était la parole de Jésus. Pierre n'a fait qu'interpréter. Alléluia. Amen. Il a fait qu'interpréter ce que Jésus a dit. C'est-à-dire, si cet homme ne marchait pas, Pierre n'allait pas être coupable. Jésus, c'est ça qu'il m'a dit. J'aime bien Pierre. Souvenez-vous quand il a fait la pêche toute la nuit et qu'il n'a pas reçu. Alléluia. Amen. Il n'a pas mis aucun poisson. Quand Jésus se présente, il explique à Jésus que voilà, j'ai travaillé toute la nuit, mais je n'ai rien trouvé. Alléluia. J'ai trouvé toute seule. C'est donc mon expérience à moi. Pierre, il avait la foi. La foi naturelle. Cette foi était liée à quoi? À son expérience. Alléluia. La foi dit à son expérience. La foi dit à ses matériels qu'il utilisait. La foi dit à la saison qu'il a fait ce travail-là. Il a travaillé la nuit. Pour lui, c'est la nuit qu'on peut capturer plusieurs poissons. Il avait plusieurs expériences bien. Hein? Alléluia. Mais malgré ses expériences, il avait échoué. Quand Jésus se présente, il doit expliquer pourquoi il a échoué. Alléluia. Amen. Non, Seigneur, je n'ai pas reçu. Parce que voilà, j'ai travaillé toute la nuit. Voilà, et voilà, voilà. Ok, Jésus dit, ok, tu peux encore retourner. Mais là, contre l'expérience de Pierre. Alléluia. Contre l'expérience de Pierre. Contre même la volonté des poissons. Parce que dans la journée, les poissons dorment. Les poissons se réveillent et la nuit pour marcher. Alléluia. Contre leur volonté. Jésus dit, mais là, retourne et jette les filets. Écoute ce que Pierre dit. Suis ta parole. Oh, yes. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit, ok, Seigneur, merci. Parce que non, non. Suis ta parole. Si ce que tu as dit là, moi je vais retourner. Alléluia. C'est-à-dire, si je ne le suis pas, c'est toi qui seras coupable. Alléluia. Suis ta parole. Pierre a mis sa foi sur la parole de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La foi qui provient de la parole du Christ, c'est la foi qui te rend agréable devant Dieu. Quand Dieu te rend agréable, quand Dieu te justifie, en ce moment-là, même, rien ne sera impossible à toi. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne sera impossible.
attendons avoir la foi. Mais la foi que nous avons ne provient pas de la source, ne provient pas de la parole de Dieu, ne provient pas de l'origine qui est Dieu. Notre foi, souvent, il y a d'autres personnes qui mettent leur foi sur la réalité de ces pays. D'autres croient sur les assistants sociaux, d'autres croient sur la banque, d'autres croient sur le travail. Alléluia. Amen. Mais je vis sans motif bien-aimé, les gens licenciés. Alléluia. Non, il y a eu un tout souci. Les choses, nos clients nous ont lâchés à cause des routes. Alors on ne peut pas garder tout le monde. Ah, mais où est mon problème? Alléluia. Est-ce qu'il faut seulement que ce soit moi? Mais ce sont entreprises, il a décidé. Toi maintenant tu avais projeté en 2019, j'ai pas acheté. Tu as calculé déjà le salaire de 12 mois. Alléluia. Et pendant les 12 mois, je vais économiser. Je vais me réussir avant de licencier. Alléluia. Amen. C'est là où tu vois plusieurs gens. C'est de même rapport. Pourquoi? La foi était basée sur ce qu'ils voyaient. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le problème, bien aimé, dans l'église. Ce n'est pas que Dieu n'écoute pas ta prière. Il n'est pas dit que Dieu ne peut pas agir parce que tu es mort. Le problème est que Dieu ne trouve pas de quoi il peut t'agréer. Pour qu'il puisse t'agréer, il faut qu'il trouve la foi. Pour que tu aies la foi, il faut d'abord recourir à la parole. Alléluia. Amen. Les gens cherchent la foi. Les gens croient avoir la foi sans pour autant avoir la parole. C'est pourquoi tu verras que dans certaines situations, nous basculons. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas bien fondés dans la parole de Dieu. Quand tu es bien fondé dans la parole de Dieu, ta foi ne peut jamais basculer. Amen. Alléluia. Amen. Souvenez-vous de Daniel. Fondé dans la parole de Dieu. Fondé dans la connaissance de Dieu. Il dira, le peuple qui connaîtra le Dieu agira avec fermeté. Mais pendant qu'il est en train de dire ce mot, on lui prend, on le jette dans une fournaise ardente. Il dit au roi, oh roi, mon Dieu que je sers est capable de nous sauver. Oh, dans la fournaise, oui. Alléluia. Amen. Pourquoi Daniel faisait de telles déclarations? Parce qu'il avait compris une chose. Daniel savait bien honorer Dieu. Alléluia. Oh, la Bible dit, Dieu honore tout ce qu'il honore. Alléluia. La meilleure façon d'honorer Dieu, ce n'est pas s'incliner, ce n'est pas crier, ce n'est pas donner nom, c'est posséder la foi qui te rendra agréable. Amen. Alléluia. Amen. Agréable. Bien-aimé, tu peux prier. Tu peux aller dans une église où il y a la foule, où il y a des miracles, tout ça. Mais ceux qui mettent dans ces églises-là, il y a certaines personnes qui sont là des années, et n'ont jamais vécu de miracles. Alléluia. Amen. C'est comme s'ils sont venus juste pour accompagner certaines personnes. Mais quand on prêche, ils sont là. Ils écoutent, ils crient, ils font tout. Mais en retour, aucune manifestation. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes-là, quand ils sont là, et ils ne s'étonnent pas à graver la parole dans leur cœur pour créer la foi. Non, le pasteur a dit. Le pasteur a dit. Dans notre église, on a dit. On a fait. On a dit. On a fait. Alléluia. Amen. Non, ça ne peut jamais produire la foi. Alléluia. Quand Dieu te regarde, il te parle très loin de lui. Tu n'es pas même proche pour qu'il puisse t'agréer. Tu es très loin. Dieu attend seulement qu'il soit rendu capable d'être agréé devant lui afin qu'il puisse manifester maintenant sa grâce. Amen. Alléluia. Amen, amen. La foi bien-aimée que nous avons toujours prêché, que nous avons toujours écouté, que nous parlons tous les jours, c'est la foi, la vraie foi, c'est cette capacité-là qui te rend agréable devant Dieu. Et la foi-là peut seulement venir de la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand tu écoutes la parole de Dieu, mets dans ta tête que là, c'est Dieu qui me parle. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, il y a une soeur, à chaque fois quand je les sors, elle me dit toujours ceci. Parce que comme vous disiez que bon, femme soyez soumise, elle dit non, c'est pas moi qui dis ça. C'est la Bible qui dit femme soyez soumise, c'est pas moi. Alléluia. Comment tu peux me surcharger de telles déclarations? Non, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai jamais dit ça. C'est la parole de Dieu. Alors, si tu veux même expérimenter la puissance de la parole de Dieu, honore cette parole-là. Mets la parole en pratique. Alléluia. Amen. Alors, mais avoir la foi, ce n'est pas seulement dire que j'ai la foi. Il faut que la foi puisse agir. Il faut que la foi puisse parler. Bien, mais la foi écoute, la foi marche, la foi agit. Amen. Alléluia. Amen.
La foi écoute, la foi marche, la foi agit. Il faut maintenant mettre la foi en pratique. Mettre la foi en pratique, c'est quoi? C'est mettre la parole de Dieu en pratique. À chaque fois que nous mettons la parole de Dieu en pratique, c'est que nous sommes en train d'exercer notre foi. Alléluia. Mais je vois très mal qu'une personne dit, j'ai la foi, j'ai appliqué ma foi, j'ai pris ma foi, mais tu es en dehors de la parole. Comment la foi peut produire les miracles? Il y a une contradiction. Alléluia. Amen. Mettre la foi en pratique, c'est mettre la foi en pratique. Quand tu mets la parole en pratique, c'est que tu es en train de mettre la foi en pratique. Alléluia. Amen. Il n'y a que Satan qui ne peut jamais mettre sa foi en pratique. Il croit que Dieu existe, mais il ne peut jamais mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Alors, il ne faut pas avoir la foi de Satan. Je crois que Dieu existe. Je crois que Dieu va me donner. Je crois que Dieu va faire. Je crois. Oui, tu crois. Mais il faut mettre la foi en pratique. Alléluia. Il faut savoir mettre la foi en pratique. Satan ne peut jamais pratiquer la parole de Dieu. Jamais. Et quand nous avons la foi de Satan, la foi de croire seulement que Dieu existe, de croire que Dieu peut faire, la foi là ne nous amènera jamais à des grandes choses. Ne rendra jamais l'impossible possible. On peut demeurer dans l'église, on peut demeurer dans la prière, on peut demeurer dans les sacrifices. Ça n'amènera jamais la gloire de Dieu. Jamais. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui dans nos îles, les gens ont du mal à adorer, les gens ont du mal à prier, les gens ont du mal à venir dans l'église parce que c'est bon, lui, j'ai déjà beaucoup de gens, j'ai déjà beaucoup fait, j'ai beaucoup participé, j'ai beaucoup prié, mais je n'ai pas rien. Ce n'est pas la quantité de tes prières qui compte. Ce n'est pas la somme qui compte. Ce n'est pas le nombre de ta présence dans l'église qui compte. Ce qui compte, c'est la foi agissante. C'est la foi qui provient de la parole de Dieu. C'est quand Dieu t'a créé par la foi. Alléluia. Amen. Amen. Quand Abraham a appliqué cette foi de lui, Abraham a vu les miracles. Alléluia. Il a vu les miracles. Voilà comment l'impossible peut devenir possible. L'impossible peut être vrai, peut devenir possible. Évitons de mettre notre foi dans n'importe quoi. Évitons de mettre notre foi sur n'importe qui. Alléluia. Sur n'importe qui. Dès demain, si je t'avais promis et que je n'arrive pas à réaliser, je vais seulement te demander pardon. Pardonne-moi, je suis incapable de réaliser. Alléluia. Mais Dieu ne viendra jamais te demander pardon parce qu'il est incapable de réaliser. Jamais. La Bible dit ceci. Il n'est pas un homme de ce monde pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répentir. Alléluia. Amen. Quand il a déjà dit, la Bible dit il court avec rapidité pour les équiter. Amen. C'est là où il faut mettre ta foi. Quand Dieu t'a créé, c'est fini. L'impossible devient possible. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Mais Seigneur, que ma foi soit qui tu veux par la parole. La parole du Christ, la parole qui vient de toi, la parole créatrice, la parole de vie, la parole qui justifie, la parole qui sanctifie, la parole qui se fait de chair, la parole de Dieu. Car c'est elle qui est la source de toute création. Sans elle, rien ne pouvait exister. Merci Seigneur pour l'accomplissement de ta parole. Merci parce que tu me parleras davantage. Tu me feras voir, Seigneur, ta volonté, ta souveraine volonté. Qui est ta parole, Seigneur, révèle-toi. Parle à tout un chacun de nous. Parle à ton Père, Seigneur. Dispose-nous à écouter ta parole. Dispose-nous à vivre selon ta parole. Dispose-nous, Seigneur, à marcher dans ta parole. Car sans ta parole, Seigneur, nous ne pouvons pas connaître ta volonté. Nous ne pouvons pas faire ta volonté. Nous ne marcherons jamais dans la justice sans ta parole. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Père éternel. Parle-nous, Seigneur. Car ta parole est la vie. Ta parole est le chemin. Ta parole est la vérité. Nous avons besoin de cette parole pour croître. Nous avons besoin de cette parole pour, Seigneur, approfondir notre foi. Pour, Seigneur, Dieu, au Père, être agréable à toi, Seigneur. Merci pour ta parole. 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 Merci, Seigneur. Je vais prier pour toi. Tu as un rendez-vous cette semaine. La semaine qui commence demain. Tu as un rendez-vous. Ça concerne le travail. Je vais prier pour toi.
Dieu va te faire une faveur exceptionnelle. Seigneur, j'élève ton nom au-dessus de tous les noms. Je prie que ma sœur trouve une place exceptionnelle au-devant de toute personne qui sait qui détenira son dossier. Partout son nom sera prononcé. Partout son dossier passera. Qu'elle trouve grâce et faveur. Seigneur, qu'on oublie tout ce qui peut nuire, tout ce qui peut l'empêcher à travailler, mais à exercer ses fonctions. Seigneur, qu'elle trouve une grâce exceptionnelle. Et que dans ce travail, qu'elle soit un modèle. On voit en elle la marque de Jésus. Il est écrit que celui qui ne travaille pas ne marche pas non plus. Que cette parole, Seigneur, qu'elle a mis en pratique, s'accomplisse dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, je sais prier. Amen. N'oublie pas de donner ta dîme. Ce message est sorti pour toi. Je ne sais pas pourquoi Dieu l'a révélé. Sois fidèle avec Dieu dans tes dîmes et tes offrandes. Amen. Tu connais le cœur de mon bien-aimé. Tu connais ses pensées. Tu connais ses désirs. Seigneur, tu veux marquer sa vie par cette parole que nous avons écoutée. Seigneur, que mon bien-aimé puisse expérimenter une autre façon de marcher avec toi. Dans sa vie, tous les jours de sa vie, dans tous les domaines de sa vie, je déclare, Seigneur, qu'il soit la tête et non la queue. Je déclare, Seigneur, qu'il trouve grâce au-devant de toute personne. Je prie, Seigneur, qu'il trouve grâce au-devant des autorités. Qu'il trouve grâce même dans sa famille. Au nom de Jésus. Seigneur, que quelque chose se passe dans sa vie à partir d'aujourd'hui. Et qu'ils comprennent que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Ce qui était impossible à lui, ce qui était lui-même, il ne pouvait pas, ce qui était faisable, oui, peut-être dans ses projets, peut-être dans ses attentes éternelles. Je déclare que quelque chose se fasse. Seigneur, que quelque chose se fasse. Si, oh Seigneur, trois fois saint, merci. Quand tu m'as donné Jésus-Christ, ton Fils, maintenant, le faible dit, je suis fort, le pauvre dit, je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour moi, maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour moi. Merci. Merci de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci parce que tu nous as bénis. Béni par ta parole, béni avec ton esprit, des toutes bénédictions célestes et terrestres qui nous a bénis, nous te disons merci. Nous prions que cette parole produise des fruits d'une de repentance en nos vies. Nous prions que cette parole, Seigneur, crée encore en nous la foi, nous rende agréable au devant de toi. Merci. Merci, toi, le Dieu du départ, toi aussi le Dieu d'arrivée. Merci, toi, le chemin de l'éternité. Merci à toi les garants de nos vies. Merci à toi les garants de notre avenir. Nous remettons nos familles, nos enfants, nos foyers, nos parents, nos frères et sœurs dans tes saintes mains. Cette semaine qui commence dans tes saintes mains, nous prions que la grâce du ciel soit sur tout un chacun de nous. Ceux-là qui vont travailler, ceux-là qui cherchent du travail,
C'est naturellement chacun que ta grâce accompagne tout un chacun. Nos enfants qui vont rentrer à l'école, nous prions que ta grâce accompagne chacun d'eux. Seigneur, qui sont la tête et non la queue, donne à ces enfants l'intelligence et la sagesse, la maturité, Père éternel, qu'ils grandissent dans ta présence avec maturité. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons les repas, nous bénissons les boissons qu'ils vont boire, Seigneur, que cela soit sanctifié par la prière et par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons ton peuple qui a écouté ta parole, qui s'est déplacé pour la cause de la bonne nouvelle. Nous prions pour la journée de jeudi, de mardi, de jeudi, ainsi que le dimanche prochain. Nous prions pour les séminaires. Nous prions que ta grâce nous soit accordée et que ta gloire nous soit manifestée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allons à la paix du Seigneur. Saluons-nous les uns les autres.